Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de notre carrière. Nous sommes à héros. Tout zéro? Non, nous sommes à zéro. Tout zéro, c'est plutôt l'inverse. On espère que vous allez bien. Et on va continuer notre petite aventure en Belgique et au Sénégal. Et pourquoi pas ailleurs? C'est la petite question qui se pose. On ne sait jamais. En tout cas, nous sommes en couple. J'espère que le son est bon. J'espère que tout va bien pour vous. En tout cas, on passe au match directement dans le petit changement sur mon écran. Voilà, je fais juste un petit paramètre. Et c'est bon, on est en quart de finale de la Coupe de Belgique. On espère que tout se passera bien, consigne particulière. Sinon, tout a l'air de bien fonctionner. L'équipe a été un peu modifiée. On veut aller en coupe alors. Salut Guillaume, en même temps. Salut Coralie, j'ai eu un follow en même temps, bienvenue. J'ai pas réussi à regarder qui c'était. C'est Guillaume 135, excuse-moi, bienvenue à toi. Alors, un petit souci juste de. Alors, une petite seconde, je remets juste le. Un petit souci de son, voilà. J'avais un mauvais retour, j'espère que Guillaume va bien, j'espère que Coralie va bien aussi. C'est bon. J'espère que le son est bon pour vous. Alors, Morelos, il m'a l'air assez fatigué. On va le garder quand même. Qu'on remplace par Yordanov. Voilà, il est un peu moins fatigué. Voilà, c'est un peu mieux. Oui, ça va. Merci, Coralie. J'espère que Guillaume aussi va bien. Merci en tout cas pour le follow. On arrive tout doucement vers combien on est là? Je ne vois pas où il est. 134. On arrive à 150. En tout cas, merci à toi. Alors, Guillaume, n'hésite pas à te présenter, à dire également d'où tu viens, quel club tu supportes, quel club tu entraînes. Peut-être c'est pas le même. Alors, oui, il est blessé. Non. En tout cas, merci également pour le lien, Coralie. Nous sommes à l'even, nous sommes en quart de finale. On voit une équipe fatiguée en face. Et on espère également passer au moins en demi. Ah non, c'est moi qui suis fatigué. J'avais l'habitude d'être ici, j'ai changé un peu quelques paramètres et je ne m'y retrouve plus. Donc, trois joueurs fatigués et un carton, c'est pour Leuven. En tout cas, bienvenue à vous cet après-midi. Un live un peu surprise en tout cas. En tout cas, merci à vous. Un carton pour Parker. Alors, certains ont eu la pub, je pense. Voilà, retour pour certains. Certains ont eu la pub, donc si vous m'avez pas entendu, n'hésitez pas. Notamment Guillaume à te présenter, à expliquer avec qui tu joues. En tout cas, merci pour le follow. Non, c'est ma. Il n'y a pas la date quelque part. C'est ma quatrième, 7 ans. C'est ma quatrième saison, je crois. Alors, je suis parti de rien du tout. J'ai fait une saison en Turquie et. Oula, frappe. Et je sais plus. Je sais plus où j'étais avant. Voilà, en Slovaquie, voilà. Alors, je vais récapituler juste après ce match le petit résumé donc de la carrière. En tout cas, ça se passe pas mal, je trouve, en Belgique. On est deuxième, on est en quart de finale de la Coupe, comme vous voyez sur l'écran. Et on est en huitième de l'Europa League Conférence. Et là, on va essayer de se qualifier pour les demi-finales. Et Maxence Prévost, que ne me trompe pas, était à Sochaux, si je ne me trompe pas. Donc, c'est une saison de reprise. Donc, on a commencé par le quart de finale. On était en trêve. Ils ont un peu de mal à se mettre dedans. Un peu de fatigue. J'espère que ça voilà, sera pas préjudiciable. Voilà. Bien vu. Faut la récupérer. J'aurais mis à droite, moi. J'aurais mis à droite. On va essayer de faire aussi un petit mercato parce que certains joueurs vont partir. Là, 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 là. Ça veut pas. J'ai peur pour ce match, mais on est techniquement normalement meilleur. J'espère que ça va aller.
Voilà, Svensson, lui, qui est très bon centreur. Voilà, coup de tête. Ça revient. Rodriguez qui frappe. Et enfin, premier but. Chachawa qui fait une passe décisive. Rodriguez ouvre le score. Bim, bam, boum. Svensson, je l'avais dit, centre bien. Oula. Oh. Pas mal. Alors, moi aussi. Je ne l'ai pas fait cette année, mais j'étais souvent à faire des parties avec l'OM. Alors, en tout cas, bien joué. Coupe championnat de la première année. Bon, Ligue des champions, c'est chaud. Désolé pour le PC. C'est vrai que alors, sur mobile, je n'ai jamais essayé. Bien sûr, sur PC, c'est beaucoup plus de choses à faire. Mais bon, c'est déjà bien. En tout cas, bravo. La première année, le doublé. Alors, tu as acheté des joueurs... Est-ce que tu as fait un gros mercato, un petit mercato avec l'OM? Parce que je pense qu'on n'a pas trop d'argent au début. Alors, je vais faire juste deux changements parce que j'ai joué complètement fatigué. Alors, les rouges là. Parker remplacé par Leysen. Horta remplacé par Amani. Ça fait deux. J'ai vu un joueur aussi fatigué. Svensson à gauche remplacé par Borges. Ça fait trois. Et Lopez à droite, c'est par Amoura qui devrait partir. 4, non. On va faire autre chose. Voilà, c'est mieux comme ça. 4 changements, il faut les faire souffler. Faut pas faire de boulettes. C'est vrai que ça doit être pas. Enfin, ça doit être différent sur téléphone. L'avantage, c'est qu'on peut jouer partout. C'est ça l'avantage. Ah oui, Dorea et David, lui, c'est pas mal. Oui, Lucas Chevalier, c'est sûr. Après, j'ai pas fait gaffe. Ça m'a surpris que tu puisses prendre Guendouzi. Je crois qu'il avait une option obligatoire. Moi. Avec Atoura, j'ai jamais joué avec lui. En tout cas, bien vu, ouais, parce que bah, certains joueurs sont en prêt, mais tu peux les. Enfin, je pensais qu'il y a une option automatique, comment dire ça, qui pouvait pas. Bah, qui devait être acheté à la fin de saison. Je sais pas que tu peux les rappeler du prêt. Mais ouais. Parce qu'après, il y a des autres joueurs aussi intéressants. Enfin, avec l'homme, tu peux faire de bonnes choses. Il y a 12, c'est vrai qu'il est pas mal, il est assez jeune. Alors, en quelle version t'as... Alors, je sais pas s'il y a plusieurs versions, attention. Oh, attention. Ouf. Je sais pas s'il y a beaucoup de versions sur... Parce qu'il y a des mises à jour, je pense pas. C'est... Téléphone, c'est parti du début de saison. Parce que là, on peut changer des choses. Pour changer des choses, je vais en changer une. C'est parce que là, Yordanov, il est fatigué. Et Morello, c'est aussi fatigué, mais on va quand même le tester pour 10 minutes. 10 minutes. À tenir, le match était difficile. Bon, on mène, on fait attention. En face, ça avance pas trop, c'est ça qui est bien. Ah oui, c'est sûr que c'est vrai. Ouais. On va essayer de en demander plus. Attention, pas d'erreur. C'est ça qui est peur. Quand on mène 1-0, ça me fait un peu peur. Alors, ce que je devrais mettre défensif, je sais pas trop. Je vais attendre cette action. Il est tout seul. Ouf. Non, oui, ouf, oh là là. C'est chaud. Les joueurs sont rentrés en face, 5 minutes à tenir. Lazare est légèrement blessé. Borges est légèrement blessé. Ça chauffe. Hein. Ça chauffe. Avec XG, ils sont meilleurs. Et les remplaçants n'ont pas fait trop de boulot. Ils sont fatigués aussi. Bon, heureusement, ils passent qu'en 4-4-2. Thomas Henry, c'est un Français. On va passer, je pense, mais tout juste. Et après, voilà. Je te présenterai mon petit parcours. Parti de rien. Et là, on est en demi-finale de la Coupe de Belgique. Ouf. Un grand ouf. Voilà. Très beau but. On est en demi. Il reste Bruges, il reste Anderlecht, il reste Antwerp. Bon, on voudrait tomber Antwerp.
C'est les moins bons. Alors, il y a des joueurs qui veulent passer blessé. 6 jours. 6 jours aussi. Voilà. Lui, il est content. Je ne vais pas aller forcément en conférence de presse. Ils sont de 4 ans. Voilà. Alors, pour revenir à moi, voilà. J'ai le diplôme continental B. Je vais bientôt avoir le A. Voici mon parcours. Alors, parti à Fethiye Spor, en division 3 turque. J'ai fini meilleur entraîneur de l'année. En même temps, je prends des pays maillot olympique. Je n'ai pas été souvent parce que la France m'a proposé. J'étais en division 2 slovaque. Donc, champion de division 2 slovaque, c'est ici. En France, j'ai réussi à faire une Ligue des Nations. J'ai été deuxième avec le club slovaque. Et on m'a proposé Union Saint-Gilloise. Donc, j'ai été, on a fini quatrième. Et en France, j'ai gagné la Super Coupe d'Europe américaine contre le Brésil. Et j'ai joué à la Coupe du Monde battue en quart ou en demi, je ne sais plus, par la Croatie. Je me suis fait virer, donc j'ai pris le Sénégal. Et pour l'instant, au Sénégal, j'ai joué à la Coupe d'Afrique en 2027. Je reste à Saint-Gilloise pour l'instant. Et je suis deuxième et qualifié, comme j'ai dit, dans pas mal de choses. Ouf, lui, qu'il a 21 ans. 21 ans, il est pas trop trop mal, mais bon. J'ai ce qu'il faut. Ah oui, ça fait longtemps que j'ai pas joué à FIFA. Ça serait bien un mix des deux. Il joue, lui, Liverpool. Lui, serait pas mal à gauche, mais je pense pas qu'il veuille. Ouais, il veut pas. Il y a le mercato à faire en même temps. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'on m'a proposé l'équipe de France au bout d'un an. Ça, c'est un... Alors, pourquoi je voulais un gardien, ouais. Utiliser 100% 4. On va attendre un peu. Ce qu'il faut un deuxième gardien au cas où. Mon premier est parti. Là, on va jouer Anderlecht. Voilà, c'est pas trop mal. Oh, ils veulent pas, c'est pas grave. Un des kinés en plus, tiens. On va l'enlever. Le staff, on va demander des kinés. Ouais, moi aussi, bah, moi aussi, je suis plus fan de FM. Bon, il y a quelques années, je jouais à FIFA quand même, mais un mix des deux, ce serait vraiment pas trop mal. Bon, je fais un tour des fois en... Bon, j'ai pas envie de forcément changer de club, mais bon, on sait jamais. Les choses... comme par exemple, en disons deux, disons un espagnol, Mallorca. Je vois aussi la valeur des joueurs. Mallorca, ils restent, ils sont où? Coupe d'Espagne. C'est quoi Coupe d'Espagne? Bon. On sait jamais. En tout cas, voilà. À Marseille, c'est quand même pas mal pour le doubler. Et voilà, mon but, c'est gagner la Coupe d'Europe, gagner la Coupe du Monde. Et pourquoi pas également d'aller faire un tour justement à Marseille. Alors, on me propose combien? 9 millions. Ouais, non, je vais refuser parce que... Alors. Ok. Alors, lui, il propose 20 millions. C'est... Mon joueur, il a 26 ans, mais il est en baisse. Et 20 millions. Alors, c'est pas ça que je veux. C'est comme ça que je veux. Je voudrais juste voir s'il peut pas avoir un attaquant. Moi, j'ai fait des filtres. C'était filtre de FM 2023. Je n'étais pas mis à jour, mais donc je les utilise encore. Après, j'ajuste. Et j'aurais voulu avoir... je ne l'ai pas pris avec. Attaquant pivot, attaquant intérieur, ailier. Non, je ne l'ai pas fait. Je cherche mon... C'est vrai, je ne l'avais pas fini. Et je vais voir si j'ai pas un autre. Ça, alors, j'arrive pas. Merci pour le follow. Alors, comment on prononce Lone Advisor 24. Oula. Voilà, il y a eu quelque chose en même temps. Alors, on va essayer quand même. Attaquant pivot excentré. Il faudra changer quelques notes. Alors, on va changer quelques notes. On va aussi changer. Tacle, j'en ai pas besoin. Contrôle passe technique, endurance, anticipation, ok. Décision, ok. Voilà, tir de loin, j'ai peut-être pas besoin. Et par contre, la finition, elle est dribble. Voilà.
Il faudrait un sacré attaquant pour remplacer à 20 millions. Non. Il faudrait. Voilà, attaquant. Attaquant. J'en ai quelques-uns. Ouais. J'en ai 32. Ça ne m'arrange pas, 32. C'est déjà trop. On va augmenter un petit peu. C'est comme ça qu'il faut faire. On augmente un peu pour avoir 17. 17. Alors. 17. Alors, on met Mbappé, ça m'étonne. Ouais, on met 17, ça me surprend parce que certains, je pourrais pas les acheter. Alors, lui, il est où ? Bon. On verra ça tout à l'heure. S'il part ou pas. Par contre, en transfert, ce que j'aime bien faire, c'est être directeur sportif. Qu'est-ce qu'on me propose, directeur sportif ? Ouais, ce joueur, il est pas trop mal. On va l'observer. On va l'observer. On propose Gonzalez. 31 ans, il est paraguayen, j'aime pas trop. Ben moi, c'est là. Alors, je regarde juste ça. Ouh, il est pas trop mal, lui. Alors, championnat belge. Je l'ai fait l'année dernière, il y a deux ans, je sais plus. Alors, attends, je regarde en même temps ce qui se passe. Il sort tout celui-là. Prêter, est-ce que j'ai une option d'achat? Après, le championnat belge, il est bien. C'est un peu comme le championnat français. C'est un peu spécial. Parce que, je vais te montrer. Alors, juste des blessures avec le Sénégal. C'est un peu... Voilà. Donc là, il y a 15 équipes. Donc, on les rencontre deux fois, ça fait 30. Et au bout de 30... Regarde le règlement. Alors, les 6 premiers sont en poule de champions. 7, 8, 9, 10, 11, 12 sont en deuxième phase. Et quand tu es en poule de champions, donc les points d'abord sont divisés par 2. Tu joues en poule. Donc là, le premier est champion. Deuxième en Ligue des Champions. Troisième en barrage de l'Europa League. Ou ça dépend de la coupe. Le quatrième joue en Europa League. Et le cinquième va jouer contre le barrage. Donc le cinquième, il joue contre quelqu'un qui est sixième. C'est lequel groupe toi ? Qui a fini peut-être 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça peut être le sixième contre le douzième. Il joue en Europe, c'est un peu spécial. Mais bon. Alors, Ouattara, lui, il est en fin de contrat. Non, il n'est pas. Non. 400 000. Rejeter l'offre. Lui, il a 100 000. Lui, en fin de contrat. Lui, en fin de contrat, je vais essayer de le vendre avant. Markovic. Je prends tout de suite. Ouais, 100 000, plus il me donne des choses. OK. Rasmussen, niveau 5 millions. On va accepter quand même, parce qu'il est en fin de contrat. Je préfère avoir 4 millions qu'avoir 0. Bon, ok, tant pis. Salut Vince Carter, j'espère que tu vas bien. Merci en tout cas pour le follow, pour l'abonnement Prime. J'espère que tu vas bien. Alors, je sais pas comment... Ok, je comprends. Je sais pas comment tu travailles aujourd'hui. Mais en tout cas, bon courage pour le boulot. Des fois, travailler la nuit, c'est pas facile. On est donc en Belgique, on essaie de trouver quelques joueurs. Il faudrait un gros attaquant. Parce qu'il y en a qui va partir. Un recruteur. Ça, c'est déjà un plus. C'est un recruteur anglais. S'il m'en fallait un de plus. 15, 13 en adaptation. Là par contre, c'est pas mal. C'est un ailier de Manchester à gauche qui peut m'aider. Donc 90%, ok, on va le prendre. Parce que ça va bouger. Ça va bouger au mercato. Un joueur va partir pour 20 millions, sûrement. J'espère que tout se passe bien pour toi, Vince Carter. Alors, c'est toujours pareil. Moi, je vais t'expliquer. On me demande des clubs à conseiller, c'est très difficile.
Parce que ça dépend ce que tu as envie, ça dépend, enfin, si tu veux faire de l'achat-revente, si tu veux faire avoir un bon centre de formation, ça dépend du pays. Une petite seconde. Ça dépend de plein de choses. Alors, je sais pas si t'es pas un peu précis. Après, non, non, non. Zivkovic, par contre, lui. Ouais, je vais attendre un peu. J'avais Vignato que je pouvais avoir. Alors, il m'a l'air aussi intéressant. Enfin, ouais, on va attendre aussi. Il m'a l'air pas trop mal. En fin de contrat, je vais prendre comme pour l'année prochaine. Il propose? Un club à te conseiller. Alors, dans quel. Ah, le tirage au sort. Je voudrais jouer à domicile contre Antwerp ou à l'extérieur. Ah non. On va jouer à domicile, c'est bien. Anderlecht, 3 février. Anderlecht, c'est 12e. Bon. Tu peux pas être plus précis, un pays peut-être? Ah voilà, ça c'est bien. Un peu plus précis. Oh, Amour a blessé 2 semaines. Tchatcha, oui, blessé. 6 jours. Xi malade, on va laisser à domicile. Sinon, on va contaminer certains. Lui serait pas. Attends un peu. Alors n'hésitez pas à m'aider hein, pour lui trouver un club. Je vais regarder. Alors moi je trouve les clubs. Alors tu vas en quelle division? Je verrai juste le club quand tu me dis. Celui-ci? Ouais, il est pas mal. Alors, il est en fin de contrat, 25 ans. On va le mettre sur la liste de transfert. On va l'observer. Ouais, il est pas trop mal. Il a fait au Guingamp, Reims. Ah, dans le championnat belge. Eh ben. Attends, on va regarder. Alors. Championnat belge. Alors. Je sais pas si qui est sur la liste des prêts. Bon, ok. Ah oui, c'est le match qu'il ne faut pas perdre. Championnat belge. Alors, première division, deuxième division, je vais voir les clubs avec toi. Alors, il y a les deux Genk qu'on connaît qui sont pas mal. Bon, tu vois, ici, il faut regarder ici. Et Anderlecht qu'on connaît. Après, Molenbeek, j'ai eu l'année dernière, c'était pas facile. Liège. Je trouve les deux Genk. Alors, je ne sais pas si j'ai laissé la division 2 belge ou pas. Non. Il y a les deux clubs de Genk ou de Gent qui sont pas mal. Ouais, ben, oui, le problème c'est que j'ai enlevé le deuxième. Il est comment lui? J'ai enlevé pour gagner un peu de place à deuxième division. Après. Peut-être qu'elle est restée ici. Donc je peux même pas. On n'hésite pas à regarder également. Quand tu prends un club ici, je ne vais pas le prendre, mais quand tu fais ajouter entraîneur, ils te disent un peu. Mais c'est vrai que en Belgique, je connais un tout petit peu moins. L'inconvénient du championnat belge, c'est maintenant. Tu vois les deux là. Il faut 6 joueurs formés au club. Et si, dont 2 avant 21 ans. Il faut juste pas se louper. Parce que tu vois ici, j'ai un petit souci, c'est que j'ai des joueurs blessés ou suspendus. À droite, j'ai qui, moi? Il est blessé. 3 jours. À droite, j'ai qui? J'ai pas grand monde à droite, moi. Original. Nolan encore, ouais. Là, faut que j'arrive à prendre. Voilà, lui, je le prends tout le temps parce que bah, il là, est-ce que Dyson aussi. Voilà, là, j'en ai déjà la moitié, mais après, il faut que je récupère. Ça, c'est un peu embêtant. Rasmussen, lui,
sûrement partir. Lui, je vais mettre ici Horta. Donc, deux Potter. Il va manquer un Belge. Il va manquer un Belge, je crois. Regarde à droite, c'est sur Lopez que vous connaissez aussi. Bah tiens, Mdala qui revient. Il va manquer un Belge. Alors, je vois Tagorni. Comme le mettre lui. Voilà, c'est bon. Ouais, après, moi je peux pas le voir. Il y a Zulte, ils sont pas trop mal. Et c'est qu'il m'avait proposé un poste il y a quelques années dans le jeu. Ils sont... Ça va, ils sont pas trop mal. Par contre, on va jouer Anderlecht. C'est le même club qui va nous... qu'on va jouer en coupe. Donc c'est un petit test. En même temps, on va rester deuxième. Après, Saint-Gilloise, c'est pas trop mal. Ils sont pas forcément bons au niveau des jeunes. Anderlecht, que vous connaissez avec certains Dolberg en attaque. Un certain... Alors, j'arrive bien à le prononcer. Sentosé. À droite, qui jouait à Metz avant. Et Léoni. C'est aussi un Français, je crois, Théo Léoni. Non, c'est un Belge, pardon. Autant pour moi. Premier carton, déjà. Ouais, au stand. Ouais, j'ai pas pensé au stand. Zulte, ouais, c'est pas mal. Attention au corner. Attention au corner. Attention au corner. Et vous avez vu qui a tiré le corner. Je l'ai pas vu tout de suite. Un certain Hazard. Thorgan Hazard. Non pas l'autre Hazard. En tout cas, on vient de prendre un petit but déjà. On est... Alors je sais pas, vous dites-moi ce que vous faites, parce que à la trêve, j'ai du mal à reprendre l'entraînement. Moi. Enfin, les joueurs ont du mal, attention à la frappe. Et donc là, le premier match était difficile, le deuxième aussi. Bon, en plus, il y a des rumeurs de transfert, il y a des faux départs, des vrais départs. Et donc l'équipe a du mal à jouer. Là, on est mené 2-0. On a pris un carton. Mais vous connaissez les équipes. Et là, j'espère des ressources. Voilà, comme Morelos. C'est trop facile. C'est trop facile. Qui a eu 6-3 là. 6-4 pour Svensson. Atom prend un carton. Les défenseurs qui ont des cartons, ça j'ai horreur. J'ai toujours le risque d'avoir un rouge. Et ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Svensson 6-3. Rodriguez 6-4. Et 0,42, c'est pas beaucoup mieux que nous. Svensson a carton. Trois défenseurs des cartons. On fera le point aussi au mercato. Mais attention. Bien, c'est bien. Ça, c'est bien. Récupération Horta. Horta, il peut centrer. Centre, il hésite. La balle, oh, bien vu. Bien vu. Change. Il rentre à la surface. Rafia, il marque. 2-1. Incroyable. Il est passé dans un trou de souris. Salut Armageddon. Alors Armageddon, il ne va pas nous dire que je fais live pendant l'apéro, ni pendant le dessert. Pendant le goûter à la rigueur. Tu arrives juste pour le but de Rafia. Par contre là, on va un peu pointer du doigt. Parce que là, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon week-end. Il est un peu sur la fin. Alors pour ceux qui n'oublient pas, également il y a le multiplex ce soir, Ligue 1. Bon, les dés sont déjà faits dans beaucoup de choses, mais on ne sait jamais. Jordanov sort, Svensson sort. Linson rentre même s'il est fatigué. Nolan à droite, Burgess rentre, je vais faire tout d'un coup. Armani, on va le faire sortir, on va faire entrer deux Potter. Alors, ceux qui ne connaissent pas Armageddon, c'est le spécialiste du live ban en Angleterre. Alors, je ne sais plus si c'est 6e ou 7e division, ou 8e. Il s'accroche. Alors, attaquant intérieur, ça c'est bon. Ah oui, Open. Dean.
Pardon, tu n'auras des nouvelles, tu pourras juste un coup, juste un rond-but peut-être. Centre. Faut frapper, Horta. Encore. Boum, boum, boum. À la barre. Alors, je crois que c'est ta seule partie dans Armageddon. Alors, j'ai déjà essayé, mais je ne suis pas fan de la live ban. J'ai plus envie de partir de rien, enfin de rien, en grappant les achats, en changeant de club quand on peut, en gagnant quelques trophées avec des clubs différents, avec Rafia, tout seul. Oh, le geste. Oh, il aurait pu la mettre. Ça me rappelle Ndiaye contre Atalanta. Il aurait pu la mettre, celle-là, autrement. Dernier changement, Lopez sort. Et la rentrée du jeune Ndala. J'attends beaucoup de ce jeune prêté. Ah oui. Ndala, qui vient d'Angleterre, on a vu. 16 ans de dribble, 16 ans de détermination. Prêté par City. T'as commencé de qui? Avec Brest ou avec Rennes? Je ne me rappelle plus. Bon, défaite. Anderlecht, qu'on va rejouer dans quelques semaines. L'équipe. On est en train de rejoindre. L'équipe va un peu mal. Après 12 matchs sans défaite. Une victoire à l'arraché. Markovic a. Non. Markovic. Justement, on va jouer Zultovergem juste après. Et après, il y a encore deux matchs, on verra le mercato. Alors, il reste quoi? C'est 31, il reste trois matchs. Ah, en plus, les matchs, c'est en aller-retour à la Coupe de Belgique. J'en savais. Je passe troisième. Aïe. Aïe, ça descend. Il n'y a que quatre journalistes, c'est pas grave. Il va s'adapter, bien sûr. Par contre, au niveau du moral de l'équipe, il m'a l'air comment? Parce que là, j'ai l'impression qu'ils sont... Non, ils sont bons quand même. Ils sont bons quand même parce que là, une petite défaite. Ça s'agite au mercato dans tous les sens. Et on propose peut-être des joueurs. Je ne vais pas en prendre tout de suite. C'est qui lui? Le même. Qu'est-ce qu'il vaut? Oui, observé par des clubs de division 2, ça me dit rien. Allez, je vais enlever la liste. Il est mauvais. Ça, c'est bien. Il a refusé le club. Encore! Attends, 3 semaines malade, il a quoi? Un rhume. 3 semaines. 3 semaines de rhume. La recrue fantastique, oui, c'est un milieu offensif de 19 ans. Il fait quoi, milieu? Il me propose quoi? Cause de 2 millions, on va pas venir tout de suite. Il faut un attaquant, voilà. Il est pas mauvais en passe, ça pour l'avenir. Forte personnalité, je suis pas fan. Forte personnalité, qu'est-ce qu'il me dit le rapport? Faire une offre. Mais attention. On va baisser déjà ça, après apparition, ok. 180 000, on va prendre ce petit joueur. Alors, je viens d'être... Et lui, Kobe, il me demande. $1,5 million, ça me paraît beaucoup. Kobe, je te transfère 5 millions. 1 million, je le prends. $1,4 million, ça me paraît bon, allez. $1,6 million, je suis comme... Ok. Modéré par rapport à quoi? J'ai pas suivi, excusez-moi. Lui, on va l'enlever. Ouais, bon, 19 millions, c'est pas la peine. Retirer celui-ci, c'est... Qualité, ouais. Premier ordre, défenseur gauche, c'est pas ça que je veux. Premier... 16 ans de dribble, mais il a...
24 ans, bon défenseur, ok. Lui, c'est un avant-centre. Ah oui, mais je veux bien un grand finisseur. Ouais, j'ai pas suivi. J'essaie de relire, mais j'ai pas suivi. C'est par rapport au club que je t'ai dit, je pense. On en verra après le joueur. Non, non. On enlève les 5% chaque fois du salaire, si on peut. Voilà, bah ça marche à tous les coups. Deuxième, ça peut marcher aussi, on va enlever les 10%. Pour prendre des jeunes. Ouh, lui, il est pas trop content. Voilà, les 5%, oh, il veut pas. Ah bah, tu veux pas venir chez moi, tant pis. Ah oui, d'accord, ok, ok. Non, j'étais encore dans le club de Rennes ou Brest, moi. Ah non, mais c'est clair, 3 semaines pour un rhume, bon. Bon, après, Covid ou autre, ok, mais là, bon, c'est écrit rhume. Oui, bon, là, j'ajoute un sélection. Ah, un club affilié. Ouais, mais je voulais pas en Belgique, moi. Accepte. Alors, amateur, laisse tomber. Semi-pro, laisse tomber. Challenger League, c'est juste au-dessus, non? Ouais. Donc, je vais le prêter en... Si je peux avoir ce club, ça serait bien. Voilà. Quelqu'un voulait un club, bah, Tesport, je ne connais pas. Ils sont en Challenger, donc en deuxième division. Ça pourra me prêter... Ça, c'est bien pour prêter des joueurs à un cran juste en dessous. Ouais, je viens de voir. Ça, ça peut être pas mal. Ils ont été champions de deuxième division. Voilà. Ah, un joueur que doit connaître. T'as remis Amagedou. Arène, je sais pas ce qu'il vaut. Il m'a été proposé. Bon, il a 19 ans. Potentiel. Il me coûtera 4000 euros. Je prends. Je prends des jeunes. Inconnu. Et là, c'est 10 jours pour une blessure à la cuisse. Et voilà, encore un rhume. Soit à domicile, je préfère l'enlever. 3-4 jours, pardon. C'est pas 3-4 semaines pour l'autre. Et c'est reparti pour un tour de mercato. Proposez-moi des bons joueurs attaquants. Allez. Ils m'ont proposé... Ah, voilà, lui. Ouais, ouais. C'est pas du top niveau. Hein. Franchement, c'est pas du top... 7 en finition à 18 ans. Bon. Ouais. Lui, pas mal, mais 30 millions. J'en ai quoi. Ouais. 30 millions. Alors, c'est reparti. Du classement international, ça c'est mieux défensif. Ah. Ah! Lui, il est comment chez moi? Il est content, pas content? Oula, il veut partir. Veut partir. Sa valeur, elle est de 17 millions et demi. Là, il me propose un 15 sur. Après, 10 sélections. Ouais, ça, c'est bon, 16. On va voir, on va accepter. Là, je peux encore avoir mieux. Alors, après une sélection, je demande 2 millions. Après apparition, après un match en championnat... Je demande aussi 2 millions et 2 millions et demi. Par contre, j'aurai une commission d'agent. Un match amical, ça peut toujours aider. Je vais regarder. Alors, n'hésitez pas à me proposer ouais, des joueurs sur ton attaque. Alors, ça a bougé. Revendre comme est. Une sélection. On va bloquer. 3 millions. Là, je suis potentiellement à... mon gourmand. Je suis mon gourmand. 12,5, 18,5, plus une première sélection, 21,5 pour lui. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. On va proposer à 25, on va à 30.
Alors, lui, je peux pas le prendre. Lui, comme on peut le prendre en gardien de but. Alors. Alors, gardien de but. On m'a proposé des joueurs. N'hésitez pas à m'en proposer. Ça m'aide bien. Alors, on est où là? Voilà, j'espère que j'arrive à l'écrire. C'est lui? Ah oui, bah. Il est à l'OM, il est nigérian. Non, il n'est pas à l'OM, pardon. Il est à Rijeka. Il est arrivé de nigérian, Nigeria, 20 ans. On l'observait. Est-ce qu'ils peuvent pas me... Oh, mais bon, ça fait chaud. Le transfert, ils veulent combien? On va attendre. Oui, on va l'observer. Tu m'as dit quoi, Villard? Iker, c'est ça? C'est celui-là? Ouais, il est pas... Oh, 18 millions. Ouais, non, ouais. Alors après, là, je vais faire mes deux matchs et je vais faire un tour après mes deux matchs, là. Alors, lui, il a une offre de 16 millions. Il me propose 20. Je pense qu'il ne montera pas au-dessus. Oh, 20. On va accepter, mais... Je pensais pas qu'il montrait à 20. Bon, on va mettre 30 comme ça. Si Van d'un coup, je suis content aussi. Mais deux matchs et après on fait le point sur le mon équipe. Ah oui. Parce qu'il y a des joueurs qui vont partir, ils vont arriver. Il faut absolument chercher des joueurs. Oh, voilà. Ça arrive dans tous les sens. Ça part dans tous les sens, c'est le mercato. Aucune offre. Alors, par contre, il n'y a pas. Ça part dans tous les sens. C'est qui, lui? Amoura. Lui. Ça fait deux fois que je... J'hésite. J'hésite, mais je vais le vendre parce qu'il a 26 ans et qu'il veut partir. Voilà. Il veut partir. Bon. Il va partir où? Il va partir au Brésil. Bon. 16 millions 6. En tout cas, merci. 16 millions 6. Donc, il part. Or, on va le présenter. C'était l'un de nos meilleurs joueurs. Je n'aime pas les garder parce qu'après, ils vont râler, etc. En tout cas, 16 millions. Et Skinner va arriver quand? Skinner, il est arrivé dès maintenant, 185 000. Un arrivé, une arrivée. Voilà, 16 millions, il part. 20 millions, il part. Ouf, la valeur qu'il a maintenant, entre 32 et 40 millions. Bon. Voilà, et Skinner. Arrive Skinner, alors c'est vraiment un jeune. Hein. Vous l'avez vu. Il est pas mal quand même. Alors, je vais juste regarder. Comme vous le savez, j'ai le calculateur de position. Alors, on va remplacer ce que... Dans le calculateur de position, disponible donc sur une de mes vidéos, Amoura, il est à 13,9 de moyenne. Et je vais juste regarder en même temps. Alors, combien il est celui-ci? Alors, je vais regarder ton joueur. Dans une petite seconde. Je vais regarder juste ce qu'il vaut. Alors, je vais parler tout seul en même temps. Je peux pas partager l'écran directement. 13, 14, 7. Parce que je calcule dessus directement. Ou un en marquage quand même. Tacle 3, technique 3, 15, 8. On voit, je pense qu'il y a des notes vraiment où il faut, j'ai l'impression. Des notes 12, 12, 12 ici. 12. Concentration, il a un 5 que j'aime moins bien. Courage 6, décision 12, ouais. Au niveau de l'inspiration,
14, c'est jeu collectif 16, ça c'est bien. Ça veut dire qu'il pourra bien aider ses joueurs. Après, c'est 7-12, 7-12. Il m'a l'air quand même costaud à son poste. Il m'a l'air quand même assez costaud à son poste. Surtout physiquement. Détente, bonne détente verticale. Endurance 12-12-10, un peu moins de puissance. Et je pense que j'ai pas vraiment beaucoup perdu au change, parce que pour vous dire la note, il a 13 piles. Skinner a 13 piles au niveau de la note. Et comme vous allez peut-être le voir sur l'autre, enfin sur l'écran, il est là. Il me dit quoi dans l'attaquant avancé. Attaquant avancé. Donc c'est pas mal, 13. Un ailier, là, j'ai pas trop envie parce qu'il va, il va être cher. Il va être très cher. Alors. Ruir Benitez, je pense que... C'est celui-là que tu m'as donné? Ou non? Je le trouve pas. Ah, c'est celui-là. On va l'observer si on peut, parce qu'il est un peu loin. Zivkovic. C'est celui que j'ai essayé d'avoir. Bon, il n'est pas fameux, mais il a les notes où il faut. On va essayer de le prendre aussi. 4 pour 10 000. Rafia blessé. Pas possible, ils sont tous malades. Alors, il me demande quoi? Ils sont tous malades. Une grippe, 11 à 13 jours. Et je pense qu'il vaudra plutôt un milieu de terrain, alors, peut-être pas offensif, un milieu de terrain droitier ou gaucher. On fera le point après les deux matchs. On a perdu un attaquant, on a eu un petit jeune. On fera le point. On va pas le faire jouer tout de suite, on va mettre sur la ligne. Alors, on va voir après. Ok. On ne va pas le garder. Une autre offre qui arrive. Horta. Encore, mais je... Horta, il est pas sur la liste des prêts, lui. Pas de prêt possible. Pas de prêt possible. Non, je les ai envoyés chez eux, normalement. Si on regarde. À moins que je me sois trompé. Hein. On peut le voir encore. Rentrer chez lui, normalement. Lui a la grippe, lui a un rhume, bon lui il est blessé, et lui a un rhume, salut, il se remet d'un rhume chez lui. Se remet d'un rhume chez lui. Ouais, ça c'est notre histoire. Ça c'est notre histoire, parce que ils sont tous chez, je sais pas, chez lui ou chez eux. Après, et ouais, c'est pour ça que ça m'a surpris, parce que d'habitude je fais comme ça. J'en ai eu 4 d'un coup, et en plus, bon. Entre un joueur qui est parti, entre ça plus ça, vision du club, je suis en B. On va quand même demander ça, comme ça. Réseau, ça c'est bon. Le reste, tout est bon. Après, ouais. On va se dire qu'il commande les mêmes frites chez les mêmes personnes. Comme ça. C'est plutôt la baraque à frites qui avait, ils ont tous mangé là-bas. Mais c'est vrai que c'est assez rigolo. On fera un tour aussi. On nous propose qui? On fera un tour également. Alors, lui je l'ai eu aussi. Bon, physiquement, il n'est pas top. Quand j'ai là 18 ans, je le mets en équipe de... Oh, par gêne. On est en quelle année, là? Lui, il n'a jamais joué, mais il m'aide bien. Pourquoi il m'aide bien? Parce que c'est un joueur formé au club. Lui, il a quoi? Blessé. On va faire jouer Leysen, ça va faire du bien. Lui, par contre, aussi.
Alors à gauche, à droite, j'ai qui? J'ai Turns qui peut jouer. Nolan, il est. Bon, il n'est pas le top. Et il me reste combien? Deux Belges, on va faire dans l'ordre. Ici au milieu centre, il est blessé. Rasmussen va jouer. Je vais mettre deux poteurs au banc des remplaçants. On verra pour la suite. On va mettre Endala aussi ici, mais il faudra encore un. Il peut pas jouer le. Ils l'ont mis en B. Skinner, on va le mettre en A. Skinner, on va le mettre en A. Par contre, j'ai plus d'autres. Non, c'est en A. J'ai plus d'autres Belges. Ils sont où les autres? Bon. Skinner, il va, ça c'est sûr, il va manquer quelqu'un. Bon, je vais enlever Yordanov. Ou je vais enlever un milieu de terrain. Parce que je suis obligé d'avoir. Ah, ça c'est en casse-pied. Parce que j'ai des joueurs qui ont la grippe. On va faire ça. Donc ça, pas besoin. Ça n'a pas besoin. Voilà. À moins qu'ils soient. Qu'ils aillent beaucoup mieux. Le jour même, ça va être chaud. Le jour même, ça va être un peu chaud. En tout cas, on est là pour reprendre la deuxième place. Genk. On a un match en moins. On va essayer de faire un petit quelque chose qu'on a un peu de mal là. Allez. Faut qu'on fasse un petit quelque chose. Un numéro qui va être appelé, je crois que c'est Skinner qui n'a pas de numéro. Je sens bien ce petit jeune. Allez, nous en profiter. Question de travail. On est à domicile, on est intraitable à domicile. Et on va essayer de s'imposer encore une fois pour gratter encore cette deuxième place. En face, il y a le Portugais Machado. Non, c'est un Brésilien de 23 ans. Et il manque aussi un peu de grinta dans cette équipe. Même si Ronny Lopez est là, Rodriguez est là. Allez, on récupère la balle. Il manque, je trouve, un créateur. Horta, il est. Techniquement, il est pas mal, mais. Techniquement. Parce qu'on a des occasions, mais on n'en démarque pas. On va juste faire encore une petite chose. Il joue sur. Un peu de pressing. Et aussi un pressing un peu plus haut, plus souvent. Et là, il ne faut pas qu'ils marquent parce qu'ils n'ont pas d'occasion. Ou la belle balle de centre en retrait. Oh l'arrêt. Oh, je sais pas comment il a fait. Là, il a sorti de je ne sais où. Mais la première incursion, première attaque. Rasmussen est trop court. La défense tient le coup. Tchatchawa, que je suis pas forcément fan, mais j'ai pas grand monde à la place. Tient le coup. Svensson au centre. C'est beau. Le centre et le coup de tête. Ça va revenir. Rodriguez en retrait. Horta, la frappe. Ça revient. Lopez. Faut frapper. La frappe. Bien vu. C'est un peu mieux. Et comme vous le savez, en corner, on est très bon. Tête de Leysen. Oh, c'est travaillé l'entraînement, oui. Rasmussen qui frappe. Ça a été facile. Trop facile. Rasmussen qui aurait dû frapper plus fort. Morelos, pourtant, je sais pas, j'arrive pas trop le. Il y a des bonnes stats, Morelos, enfin des bonnes notes. C'est peut-être le poste qui veut que, parce que là, très en finition, très en dribble et physiquement intéressant.
La rentrée d'un joueur connu. Aaron Leia Iseka. C'est le frère de Michy Batshuayi. Il a joué un peu partout, lui. Il a joué un peu partout. Changement. Rodriguez remplacé par Yordanov. Morelos remplacé par Skinner. On va le faire en renard des surfaces, le petit Skinner. Svensson à gauche remplacé. Il est un peu fatigué. On va essayer comme ça. 3, ça suffit. 3, ça suffit. Lopez. Lopez, alors là, il cherche la lucarne. Il va la chercher à lucarne. Prends ton temps. Prends ton temps. Le pied gauche. Oh, elle est pas loin. Elle est pas loin du tout. Elle est franchement pas loin, cette balle. Et on va faire encore un dernier changement. Alors, j'hésite entre deux. Ouais, c'est Amani qui sort. C'est Amani qui sort et De Potter va rentrer. De Potter, j'arrive pas. Ça bug. Voilà. Il restera un quatrième changement. De Potter qui est jeune, qui a des atouts physiques. Technique, pardon. 16 ans collectif, physiquement c'est un peu chaud. Et mental très bon. C'est au-dessus. C'est au-dessus. Skinner qui débute pas trop fort. Il reste 10 minutes. Ça, il faut un buteur. Et vraiment un joueur créateur. Parce que là, on a un peu de mal. Ils ont changé d'équipe et Rasmussen sort remplacé par un autre jeune, KMB. Deux jeunes du centre de formation sont rentrés. La défense a tenu le coup pour l'instant. Et l'attaque a eu un peu de mal. Regardez, il se jette 2-17. Il y a aussi de la fatigue. Il y a de la fatigue aussi. Le dernier coup franc, Lopez. Elle était pas loin. Le dernier corner, on ne sait jamais. Tout est possible. Atome, de la tête, pourquoi pas. Allez, la folie. Entre le point de pénalty et le point de 6 mètres. Et prends pas ton temps, on joue à 98e année. Encore repoussé une fois. Allez. Vas-y, vas-y. On n'a pas que ça à faire. Et voilà, c'est fini. Bon. Match décevant. On a pris un point. Ça permet de rester au contact de Genk. Mais on est en train de caler là. En train de caler. Et on fera le dernier match contre Antwerp et après on fera un tour au Mercato. Parce que derrière, ça arrive, il faut rester 6 premiers. Et je ne sais pas si vous avez vu derrière moi, mais ça revient fort. Bah, si on prend qu'un point, on prend qu'un point. Préparateur U19. Je vais prendre celui-là parce que mentalement, ça peut aider. Moi, j'en ai le droit à deux. Et lui, même si déterminé... Ah. Bon, on va prendre aussi celui-là. Ok. On va laisser l'annonce. Fin des transferts dans une semaine. Ils étaient prêts. Il faut prévenir. Skinner va le présenter. Skinner le présente. Il est bon. Alors, réunion du Mercato. Ouais.
On verra ça un peu plus tard. Ok. Lanza. Combien? 3 millions 6. Moi, je sens... Ouais, pas mal. Alors, Mendy, je dois bien le prendre, Mendy. Mendy, Antoine Mendy, qui joue à Metz. Très bonne note. Est-ce qu'il veut jouer avec le Sénégal? Ben non, toujours pas. Toujours pas avec le Sénégal. Et là, j'ai peur qu'on descende un peu au classement. Alors, salut Adrien. Alors, tu m'as dit... C'est lui, je suppose. Ouais, il est pas mal aussi. Ah, je peux pas, j'ai plus assez. Je peux pas. J'ai pas assez de... 3 millions, ça me paraît juste pour l'instant. Je vais mettre sur un 10. Je peux plus avoir de joueurs en prêt. Je sais plus combien c'était, j'ai pas fait gaffe, je me rappelle jamais. Parce qu'en France, c'est limité. Alors moi, c'est pour la... Merci Coralie pour les liens, n'hésitez pas. Donc, alors, si tout va bien, l'expérience aussi va avoir lieu sur la chaîne YouTube, rapidement. On reste troisième. Il reste 8 matchs, on reste troisième. Le Sénégal, il y a beaucoup de joueurs qui ont deux nationalités, mais beaucoup de joueurs ont du mal à venir au Sénégal. Alors lui, par contre, il est en fin de contrat cette année. Et à 115, je le vends si je peux avoir un petit quelque chose sur la vente. Même pas. 5-6%. Je vais essayer 7%. Même pas. Kiné U18. Non, c'est Kiné normaux. Bah, je prends lui. Hein. Je prends le meilleur. Hein. On va peut-être baisser ça. On va faire le match, le prochain match, on va faire le point sur ce qu'il faut que j'achète. On a les sous. Hein. On a les sous. Pas qu'ils me les piquent avant parce que c'est des spécialistes. On va citer rapidement la réunion. On va commencer l'entraînement. Liste prise avec lui. Pas de suggestion. On va dire après la réunion. Ok. Alors, on va féliciter Horta. Ça, je suis d'accord. On va faire un tour aussi au staff. Pourquoi pas? Allez, je peux pas aller. Lucerne, non. Oh, Nicaragua. Ça vous dit pas d'aller faire un tour au Nicaragua? La Coupe d'Asie qui est là. Corée du Sud. Bon. Moi, je suis à 3 étoiles et demie. Génois, ils veulent pas que je vienne. Parce qu'il faudrait, je pense que Al-Wassad aussi va partir. Tout premier ordre. Ouais, lui, il serait comment, lui? Ouais, il serait... Ouais. Lui, alors lui, prend... 25 millions. Laisse tomber la neige, comme diraient certains. Attends, 5 millions aussi. Parce qu'il faut, comme il faut des joueurs belges, j'en ai supervisé pas mal, mais bon. Certains sont bons, mais le prix, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Lui, je l'avais dans mon ancien club. 53 millions. Je propose Diarra en priorité. Antwerp. Il me propose 95 millions, Westerlo. Ouais, si tu veux, mais... Avec ça, tu veux pas? Oh ben, ils ont rappelé Nalo. Je ne faisais pas trop jouer, ils l'ont rappelé. En train de garder le 18. Ben, je crois que je peux pas tout de suite. Je vais attendre. Je vais laisser comme ça. Ça sauvegarde.
changement. Entre un Nicaragua, il y a eu du changement. La clause. Vous en pensez quoi de ce jeune, bon, 10 en dribble, je voudrais bien dribbler moi. On le reprendra plus tard. Simic. Lui, enfin, 8 en tête pour un défenseur, non. Je peux pas avoir des listes prêts. Je peux pas avoir des joueurs sur le prêt. Préparateur, ok. Faudra pas faire n'importe quoi le prochain match. Encore des joueurs observés? Non. C'est quoi? Non. Le centre. Ouais, mais où ça, c'est un milieu offensif gauche. On va revenir en arrière. Milieu offensif gauche ou centre. Il a l'air pas mal pour 21 millions. Il n'y a pas une clause. 1,5 million. Je vais essayer d'avoir pour 1,5 million, lui. Parce que si je peux le faire jouer à gauche, ça serait pas mal. 24 ans à droite. Milieu, 6 milieu offensif. Buteur. Au buteur. 21 millions. 15 millions pour... Bon, il n'a pas marqué beaucoup de buts, lui. Et lui... C'est un milieu offensif. Il mise buteur, mais... On va jouer en vert, quatrième. Faut juste pas se louper. Ouais. Et lui ? Ouais. Faut juste pas se louper. Ils sont juste derrière nous. Ils sont juste derrière nous. Accrochez-vous bien. Alors... Fantastique. Quel âge il a, 25 ans. Ouais. Alors, je vais attendre le. Ils sont juste derrière nous. Antwerp sont juste là. Faut pas se louper dans ce match. Faut surtout pas se louper. Alors. Le retour de El Wassad. Qui va faire du bien à cette équipe. Parker revient aussi, va aussi faire du bien. Donc les deux-là sont bien sûr obligés de jouer parce qu'ils font des joueurs belges. Alors El Wassad qui a une offre de 20 millions. Et il va jouer, Rafia aussi va jouer. Voilà, on est OK pour celui-ci. Tiens, cuit. On va arriver, le reste. Yordanov est là. Skinner qui a quand même un peu pas top à 100%. Allez, on confirme. Et on essaie de faire quelque chose lors du prochain match. Faut pas se louper. Faut pas perdre de place. Et après, on fera un tour mercato. On verra qui on achète ou pas. Faudra faire un gros coup. D'abord, faisons un gros coup à Antwerp. L'importance de ces matchs à l'extérieur. Certains clubs ne gagnent pas à l'extérieur. Et ça leur coûte les places européennes. Nous, il faut que ce soit l'inverse. Il faut qu'on fasse des choses à l'extérieur. On peut envoyer cette équipe à 4 points derrière. Avec non pas Eddy Merckx, mais un autre Merckx dans les buts. Et en tout cas, on a la balle. Il faut marquer les buts maintenant. Je pense qu'il faudra un milieu offensif gauche à la place de Lopez. Allez, encouragez-les. On va essayer de relancer comme d'habitude proprement.
en retrait. Juste devant, bien sûr. Oh là, faut pas se faire piquer la balle. Qu'est-ce que tu nous fais, toi? Qu'est-ce que tu nous fais, mon petit? Et là, le gardien, faut sortir. Le gardien, faut sortir. Heureusement, je pense qu'il y a hors-jeu. Oh non, le but est accordé. Incroyable coup d'éclat. On est KO debout. On est mené 1-0. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? On n'a pas la possession, on n'a rien du tout. Faudra faire une réunion avec les équipes, une équipe après. Parce que là, Rafia prend un carton et on n'arrive pas à jouer notre jeu. Là, c'est un problème mental, là, c'est un problème de buteur. Je pense que c'est un problème de buteur aussi. On n'a pas d'occasion. On a les occasions, on ne marque pas. Il n'y a pas de hargne pour l'instant. Il faut changer les choses. Adamassad qui revient de la Coupe d'Asie. Va sortir. Skinner qu'on attend un peu plus va rentrer. Va passer en... C'est vraiment un renard des surfaces, lui. On va passer un peu plus offensif. Un rythme différent. Voilà. Corner. Corner de Rafia. Bien tiré. Mais ça va revenir. Atom va remettre dans le paquet. La frappe. Oh, bien vu. Il n'a plus qu'à... Et but. But de qui? Alors, soit elle est contre son camp. Voilà, elle est contre son camp. Bataille n'a pas réussi à repousser cette balle. Un partout. Alors, voilà, on revient. Par contre, là, notre équipe, voilà. Corner encore. Coup de tête. La balle est louche. Dommage, elle n'est pas. Ils sont dangereux. Ils sont pris de court sur les corners. Et là, on est mieux. Deux attaquants, on est mieux. Svensson qui peut centrer, il hésite. Dommage, Rafia, pas de faute. Mais attention au contre. Et là, tu peux l'avoir, la balle. Il y a 3 contre 3. Belle récupération, mais reperdue. Dommage. Et l'arbitre a encore été appelé. Et le but est encore accordé. Et on passe... On passe troisième et je pense qu'ils vont repasser devant. On va passer quatrième. Alors, que faut-il faire dans cette équipe? Atom sort remplacé par Leysen. Morelos remplacé par Yordanov. Rafia sort. Alors, c'est une équipe nouvelle. Remplacée par qui? Et ça peut le faire, ça revient. Corner. Un corner qui ne donne rien. Ah, je suis trompé, je voulais remplacer Amani, remplacer Rafia. C'est pas grave. Mais... Faut demander plus, là. Corner, heureusement qu'il y a les corners. Pourquoi pas... Non, j'y ai cru. Il y a Rodriguez qui est fatigué, j'ai qui au banc de touche. J'ai plus que deux poteurs. Parkson, non, c'est pas. Purgès, ce sera les derniers changements. En plus, on a l'XG avec nous. Mais on ne marque pas. On est à récupération, presque. Là, il est tout seul, ils sont à 3 autour, et il arrive encore à tirer. Mais faites quelque chose. On perd un match 2-1 alors qu'on devrait gagner, 2-1. Difficile, franchement, on doit en mettre au moins 2 buts.
On doit mettre au moins deux buts dans ce match. Bon, c'est difficile, franchement. Il y a de la fatigue plus que d'autres. Il y aura des changements au prochain match. Il y aura des changements. On va déjà avoir des changements au niveau mercato. On a un entraîneur adjoint. Et là, voilà. Comme je disais, on passe quatrième. Défaite imméritée. Défaite imméritée. El Wassad. Il a une offre de 20 millions sur la table. Ouais, non mais c'est clair, mais ça fait depuis deux matchs qu'on ne marque pas. Voilà. Il va partir à Lens. 16,5 millions, 3 millions et 50% en prochaine vente. De la revente. Bon, on va accepter. Moi, ouais, je n'ai pas dit au revoir. Je veux dire au revoir, j'ai oublié. 20% des bénéfices, 1,2 million pour le. Et le kiné qui arrive. Et là, il faut bien recruter. Vraiment trouver des bons joueurs. Alors, on va suivre une formation. Le kiné n'a plus. On en va l'enlever. Qui est ce joueur ? Pour une période d'essai. Il n'est pas bon. Il est mauvais. Baldé. Va-t-il venir chez nous ? Il veut pas non plus. Il veut pas non plus. Alors, voilà. On va faire le point. Alors moi, je fais comme ça. Je sais pas vous comment vous faites. On va prendre... rapport, voilà. On va rajouter ici. Voilà. On va faire un point de ce qui manque. Bon, là, le gardien, on va attendre la fin de saison. On a déjà deux. À droite, oh oui. C'est lui qui l'a. C'est pas le meilleur, mais il fait des bons matchs. Il fait des bons matchs. À gauche, il y a Svensson qui fait ses matchs. Et en défense, pour l'instant, il y a Parker et Turn. Milieu défensif et milieu. Voilà. Donc, il y a lui, il vient d'arriver, mais il a la grippe depuis 3 mois. Comme dirait certains, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a Rafia. Alors, Horta, il peut aussi jouer là. Voilà, il est observé par qui pour un départ. Rodriguez est à droite. Et là, à gauche, il manque quelqu'un. Parce qu'à gauche, on est obligé de prendre ce joueur en prêt. Et en attaque, on a Yordanov. Qu'à Yordanov, on va juste terminer réunion. L'équipe A est plus ou moins faite. À droite, on verra déjà ce qu'on peut faire à droite. Et à gauche, on a Borges qui vient d'arriver, donc on pourra pas trop partir. Leysen et Atom sont là. Il faudrait vraiment défense centrale. Milieu centre, on a Amani, Cui et Sosa. Et
Et les deux côtés, là, c'est un peu... À droite, il y a Lopez, mais c'est... Bon, il est en baisse, il faut un milieu offensif gauche, ça c'est sûr. Et en attaque, j'ai deux attaquants. Morelos. Alors, Skinner, on va peut-être le... mettre en U23 pour l'instant. Naki en U23. Qui peut dépanner, bon, c'est pas grand-chose. Il faut un milieu offensif gauche. Il faudra un défenseur central. Donc, on va faire comme ça. Non. On va déjà demander s'il n'y a pas un milieu défensif gauche, un défenseur central qui sont pas trop mal. Donc, j'aime bien regarder ce qu'il y a sur... non, c'est que des prêts qu'il faut. Ouf. Intéressant ce joueur. Vous en pensez quoi? À 19 ans, c'est intéressant. Close à 6 millions. Ah, 6 millions 5, ils acceptent. C'est cher. C'est cher, oui. En défense, c'est pas celui qui était prêté chez moi. Ben si. Et il y a quoi d'autre? Lui paraît également intéressant. 3,8 millions. Ok. On va faire un tour aussi au directeur sportif. Défenseur central, il me propose qui? Ou vache? Vache. Vous en pensez quoi? Le problème, c'est qu'il a 31 ans. 31 ans, j'ai pas envie de mettre 10 millions dessus. Oh non, il me propose... Oh, tant pis. Lui... Moi, je suis pas fan. Vital a 26 ans. Il peut être... Il me propose... 9 millions. 9 millions, je suis pas fan. On va tout enlever. Et à gauche, il me propose qui? Nico Goncalves. 29 ans. Ouais. Rapport. Vallejo. Ouais. Pedrola, 23 ans. Physiquement pas mal. Il joue aux États-Unis. 7,5, ça me paraît. 10. Bon, alors on va tenter. Défenseur centre d'abord, on va enlever ça. Défenseur central stopper. Oui, mais si à mon avis on va me proposer ça. 8 sur 10. Si moi j'ai rien, je descends. Là, j'en ai plus. Un bon défenseur central. On va les observer aussi. Non, je peux pas. Ce joueur-là, il est sans club. 27 ans en défense centrale, ça va, c'est pas mal. On va juste retirer la mise à l'essai. Est-ce qu'il y a le rapport déjà? Non. L'observer, je pense que lui... On va laisser pour l'instant. On va laisser voir ce qui se passe. Lui, il peut être pas mal. Au niveau des jeunes, lui, il peut être pas mal aussi. Il est en fin de contrat en plus. On peut enlever le mes ADC. $250,000, ça me paraît chaud. 300 000, ça peut le faire. Et il faut absolument un milieu offensif gauche. Lien intérieur soutien, milieu offensif gauche. Et j'en ai zéro parce que... Combien j'ai mis? 11. J'en ai un. Bah, 35 ans, non. Il m'intéresse moins, milieu offensif gauche, voilà.
8, 10 sur 14. J'en ai 10. J'ai 26 ans, j'en ai quelques-uns, mais on va juste faire quelques changements là. Pour y mettre ça en tacle. On peut pas faire voilà, organiser les filtres. Si on peut pas avoir un milieu offensif, milieu défensif, milieu offensif. Je veux bien avoir un milieu offensif gauche, milieu offensif. Voilà. Ouais, Nelly attaque. Je vais essayer en Nelly attaque. Pour avoir un joueur rapide, enfin peut-être pas puissant, mais. Ils m'ont mis ici. Voilà. Il est attaque à gauche. Mais je pourrais jamais l'avoir, ce joueur. Alors, on va tenter 9 sur 14. On baisse, on met 10 sur 4, 13. On n'est pas non plus. 9 sur. Bah, si, pardon. Tant que ça vienne, excusez-moi. Tant que ça vienne. J'en avais 12. Ah bah oui, mais bon. La malle. Gorman, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Gorman, non. Lui, c'est qui, lui? Ce que j'ai proposé. Ibrahimovic. C'est pas le même. Ouh. Petit mignon, il me propose, c'est ok, mais je suis pas sûr de le vouloir. J'ai juste testé. Je pensais qu'il proposerait plus. Alors, il y a des joueurs qui sont jeunes. Ok, on va avancer un petit peu. Joueur important, rôle préféré, non, ça je vais enlever. On va essayer d'enlever ça aussi. Ouais, 17 millions. Joueur important. Aïe, il vaudra trop. Il vaudra trop. Je proposais 100. 100, ça passe. Joueur de rotation. Oh, il n'est pas trop fort celui-ci. Ibrahimovic, il ne veut pas. Yordanov sur capitaine, ok. Alors, on me propose quoi? Abreu, il va faire un vétéran, je vais refuser. 24 ans. Parce que lui, par contre, il y a un joueur que je peux avoir. Ça serait pas mal. Abreu, lui. 24 ans. Bah, bof. C'est pas sûr que je voulais. Campbell, il joue avant. Non, dans le jeu, il a que 10. Bon, c'est. Alors. Bah voilà, il y a des recherches à faire. Non, ça, je veux pas. Qualité 30 ans, ok. Pour l'avenir, ok. Ouais. Là, il faut des joueurs. Recrue pour l'avenir, ça, oui. C'est un joueur. 7 millions 2. L'avenir aussi. 925. Diallo, ok. Un Israélien attaquant, ouais. J'ai un peu d'argent, j'en profite. Oh, ça c'est un défenseur gauche. Ouais, mais il est un peu cher. Il est trop cher. Bonne recrue, arrière latéral. Buteur 26 ans. Alors, je ne vais pas prendre 50 buteurs. Lui, il a sélection 18 ans. Ok, sélection, ok. Qualité, ok, ça c'est bon. Pour l'avenir, d'accord. Tout premier ordre, ouais, mais bon, il vaut.
Moi, je suis pas fan. Alors. Bon, ouais. Bon, bof. Pour l'avenir aussi. Bon, ça, c'est bien. Il me donne des jours pour l'avenir, mais il vous faudrait un peu qualité gaucher, compensation. Ouf, non. Tricky non plus. Fantastique. Un ailier de poche. Bon. Qualité. Excellent attaquant. Ouais. Si vous tombez sur un joueur, n'hésitez pas que si je loupe. Lui, peut-être. Sans ambition, je suis pas fan. Accent entrecru, pour l'avenir aussi. Avance entre, ok. Cru fantastique, 32 ans. Ça a mis le centre. Tout premier ordre, 24 ans, ouais. Qualité de défenseur, milieu. Latéral, ok. 16 millions, c'est un peu cher. 21 millions, même s'il est. L'avantage, c'est qu'il est belge. Alors, 21 millions, c'est quoi? Une clause de 21 millions. On va essayer de baisser. On va essayer de baisser. Oh ben, il ne vaudra jamais. Tant pis. Gardien prometteur, ça aurait été pas mal. Ça, on a vu tout à l'heure. Ça, on a vu. Ça, c'est genre fin de contrat. Lui, on verra pas plus tard. L'avenir. Cru fantastique, ouais. On va juste faire également un tour ici. Alors, au niveau des défenseurs centre. Oui, ça c'est bon. Qui sont sur la liste des transferts. On ne sait jamais ce qu'on peut trouver, j'allais dire. Sur la liste des transferts. Alors, lui, c'est combien il vaut? 23 millions, c'est un peu chaud. Lui, c'est combien il vaut? 15 millions. Est-ce qu'on peut l'avoir un peu moins? C'est un peu cher. C'est un peu cher. Pereira, c'est ce que j'ai proposé. Non, le reste, c'est pas bon pour l'instant. On sait jamais, hein. Milieu offensif gauche. J'ai classé par plus cher ou moins cher. Ou Paqueta. J'ai pas mis le français. Des fois, chez vous, ça bug ou pas, mais. Alors. Très bien, ça c'est bon. Par contre, le budget recherche, où est-ce que je peux plus le bouger. Voilà. Il faut nos, c'est-à-dire il faut nos deux joueurs rapidement. Et il me fallait quoi encore un défenseur droit, c'est ça? Au cas où. Ouais, ça aurait été pas mal d'avoir un défenseur. Alors. Si on peut avoir un défenseur droit, on s'en privera pas, mais d'abord il faut les deux. Pas que m'intéressait par Rasmussen, ça m'aurait aussi arrangé. Rasmussen blessé. Sano blessé. Et là, faut pas faire n'importe quoi. On est en perte. On est en chute libre. On est en chute libre. Et avant ça, on va faire un tour. Oula, c'est quoi ça? C'est quoi ce joueur? C'est ce joueur qu'il faut. Transfert.
C'est ce joueur qu'il faut. Parlant de... Réunion d'équipe, ou faire une réunion d'équipe. Voilà, c'est... J'ai cliqué au mauvais endroit, c'est positif la réunion. La réunion d'équipe est positif. Oula, oula. Ça me paraît beaucoup. Ça me paraît beaucoup. Il aurait été pas mal. Ça me paraît beaucoup, 151. Ouais, dommage. Lui, on est cinquième. Alerte générale. On est cinquième au classement. Aïe. Mais que fait cette équipe ? Et là, ça va bouger dans tous les sens. Il reste 16 heures pour deux joueurs. Le stress arrive. Juste avant le match, il faut deux joueurs. Attention. On me propose des joueurs. Mais pas au bon poste. Ouais, mais il va être trop cher. Et si on n'avait pas les joueurs? Et si on n'arrivait pas à les joueurs? Ok. Gianni, c'est pas ça. Résumé les offres d'agents. Défenseur gauche, c'est pas grave. Par contre, on va faire juste une chose encore qu'on n'a pas fait. C'est que, voilà, déjà, on a trois, on ne peut pas. On va essayer aussi de prêter ou de vendre des jeunes pour avoir aussi... Parce qu'il y a un joueur qui part, c'est lui, on ne pourra pas. Transférer les joueurs ainsi. Prêter, on ne pourra pas tout de suite. Ça va permettre d'avoir un... Bon, on peut pas. Oui, ils sont déjà. Les autres. On pourra... Allez. Il y a des offres encore ou quoi? Pourquoi je peux avoir des joueurs? Les 4 là, je pense qu'on peut les prêter. Voilà. On prête les quatre, c'est bon. Il est encore blessé. Et on va essayer de vendre aussi ces joueurs qui... aussi Menko qui joue pas beaucoup mais qui pourrait être prêté. Et Horta au cas où. Ça bouge, il reste 11 heures. Et pour l'instant j'ai aucun accord. Par contre, j'ai trois offres, mais j'ai aucun accord. Ah, ça va arriver.
Un gardien, c'est pas grave, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je veux au milieu offensif, c'est pas ce que je veux non plus, même s'il est bon. On propose quoi? Bah, discute. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux partir, mais tu me gênes pas. 450, tu pars. 450, tu peux partir. Vas-y, tiens. Menko. Buteur. Vedette. Vedette. Il part. Skinner. Il part aussi. Pourquoi il va... C'est bien, il part aussi Markovic. Il part aussi Markovic. Sollicitons des offres pour Horta. Oui, c'est vrai, mais c'est le stress qui aide. Par contre... D'un côté, c'est ça, un petit coup de stress. Ans, je ne pourrais pas mettre 15 millions sur lui. Manama, je l'ai déjà pris une fois, il doit avoir aussi 30 ans. Ouais. Est-ce qu'on part comme... C'est Adingra. Non, j'ai pas d'autre. Alors, aïe. Il est comment, lui? C'est ça un peu le stress des managers. Allez. Il reste 7 heures. Ah, Adingra. Bien sûr qu'il est intéressé. Il est énormément intéressé, mais est-ce que j'ai le salaire qui va avec? Pff, j'arrive pas à voir. Alors, on peut négocier le salaire. Lui, il sera... Alors lui, j'arrive à enlever ça. J'espère qu'il est patient... Ça va être chaud. Non. Ah, Montero, il signe pas. Anigra, on ne peut pas le retenter le coup. Et par contre, on peut essayer quelque chose. Je veux dire qu'on veut absolument venir chez... 5 heures. Le stress commence à monter. Il veut pas. Lui, en B+. Oh, il a... Il signe pas chez nous. Aïe. J'ai plus que lui. Il faut repasser à milieu gauche. Oh, j'ai plus milieu gauche. Lui, ça serait top. Il n'y a pas de rapport. Non. Lui serait top, lui. Lui, ça serait moins bon. J'ai pas mon milieu gauche. Il est comment, lui? 67. Et mon directeur sportif, il en pense quoi? À 6 heures du transfert.
à 6h des transferts. Le panic buy. 11 millions, ça va être cher. 22 ans. Un russe à 22 ans. Et 28 ans. Un ailier. Ouais, ça va être chaud. Ça va être hyper chaud. Je regarde qui c'est qu'il y a. Gandel s'était observé. Bon, il va pas combien j'ai 22 millions. Il partira pas à 10, on sait jamais. 29. C'est pas la peine. Mantia. 30 ans. J'ai pas forcément envie de le prendre à 30 ans. On panique. On panique beaucoup. Vignato, je l'avais avant. Sabali, 27 ans. Et on va vers un plan d'effectif. On n'a pas rajouté un. Lopez. Ah non, c'est à. C'est plus un avant-centre. Million 9, ça peut partir. Non, j'ai mis à droite, pas à gauche. Aïe. Fadera, 25 ans. $925,000. Au pire, j'ai quand même ce joueur. Si je fais signer un an, ça dépanne. Alors, Pedrola. On va essayer de descendre un peu. Est-ce qu'il y a de la patience? Ouf, il y a de la patience. On enlève toujours les clauses. Il veut pas. Fadera. J'ai mis l'attaque intérieure, j'ai oublié. Ouais, on va descendre ça. Ah, il veut. Ah, défenseur central, il arrive. Ouf, lui, il est pas mal. Il est gallois. 75 000, ouf. On a le défenseur qui arrive. On peut dire ouf. Je vois pas le défenseur. C'est lui. Ok, on va demander. Ok. Combien tu veux? Ouais, enfin, il suffit de demander. Offre d'Horta. Non, pas 1,4 million, jamais de la vie. Joueur vedette. Ouf, il veut trop de choses. Lui. Tiens, t'auras pas ça. C'est parce qu'il est hyper patient, l'agent. Hyper patient, mais peut-être pas aussi patient que je le pensais. Il a eu. Bon, Campbell arrive quand même. Campbell, il vient de Wolf. C'est pas le grand joueur, mais il peut jouer à certains postes. Ça peut aider. Et ça peut aider aussi. Campbell, il est où? On va une formation demander. Et maintenant, j'en ai trop. Maintenant, les trois ont accepté. Alors, lequel est meilleur?
Fader a 25 ans et je trouve que il est pas mal. Coman. Coman, il serait ici, ça c'est sûr. Petrola, 23 ans. Petrola, j'ai pas de rapport. Petrola, 23 ans. Alors lui, c'est un... On va être fou. Je sais pas si vous me voyez venir, on va être fou. Parce que Petrola, il coûte 11 millions. C'est un... Il peut jouer attaquant aussi. Et en dribble, il est pas mal. Donc, Petrola, accepté. Coman, c'est pas Coman que vous connaissez. Il a 28 ans, il est roumain, il peut jouer à gauche. Et Lopez va partir après. Et lui, il a 25 ans aussi, donc on va les acheter tous les trois. Là. Par contre, est-ce qu'on pourra tous les enregistrer? C'est autre chose. Coman est là. Fadera. Et là, en plus, Fadera, vous avez vu, il est belge, ça qui est bien. Petrola, on peut l'enregistrer, ça c'est bien. Il est belge, ça va vraiment aider aussi. Un recrutement un peu fou. Trois d'un coup, c'était un peu de la folie. Campbell, j'aurais peut-être pas dû faire signer Campbell, mais Campbell, il est inquiet. Ah bah il veut partir Campbell. Campbell veut partir, il est mécontent. Bah, si je peux récupérer un million sur lui, c'est pas mal. Campbell, il vient d'arriver, il veut partir. J'ai un peu fait le boxon là. On a tenté les choses. On n'a pas eu un, on a eu trois pour le prix d'un. Ça peut aider vu qu'on va jouer sur trois tableaux. Et Pinaïef, heureusement, ne viendra pas. Sachant que si on peut prêter les deux joueurs, il reste 3 heures si on peut prêter. Voilà. Non, c'est pas ça que je voulais. Voilà. Peut-être les 5 derniers matchs. On va juste enlever ça. Voilà. Et ça peut être pas mal pour certains. Donc. Alors, on va faire jouer Atom. À droite, j'ai pas pu prendre quelqu'un. Et Burgess est là. De Potter va être au banc de touche. On verra avec qui. L'avantage qu'on a, c'est que Coman va jouer. Et Fadera, il me manquera un. Il me manquera un. Et en attaque, on a quand même Morelos qui est là. Et Pedrola est ici. Par contre, il manque toujours un joueur belge. Kayembe est là. Il y a deux joueurs qui pourraient partir aussi. On va faire ce match. Et après, on va voir ce qui se passe. Je pense que ce sera le dernier. C'était difficile, le Mercato. Ah non, il ne peut pas jouer, lui. Il est blessé en milieu... Bah, Amani il a joué, c'est-à-dire que Kayembe il n'est pas obligé de venir. Et qu'on va laisser Sosa avec. Voilà. Quelques changements. Des nouveaux joueurs. Certains vont jouer, d'autres non. En tout cas, ça va être sûrement le dernier match, il y aura la fin. Voilà, on va en profiter. Avant, dernier tour du Mercato, j'ai oublié juste ça.
voir ce que ça donne avec certains nouveaux joueurs. C'était chaud, on a eu chaud. Armageddon stressé pour moi. En tout cas, Coman est sur le banc, est ici. On verra également Fadera, Pedrola. Oh, c'est pas possible. Coman arrive, il se blesse. Blessure au pied. Eh ben, Pedrola va le remplacer. Incroyable. 5 minutes de jeu, le joueur est déjà blessé. Incroyable. Ouais, ça c'est le coup de bambou. Le coup de bambou. Svensson au corner, coup de tête. Et le... Non, oui. Oh, je croyais qu'il était dedans. J'ai vu dedans la balle. Je l'ai vu dedans, cette balle. Et il y aura aussi des choses à faire en Coupe d'Europe pour faire l'équipe, le groupe de Coupe d'Europe. En tout cas, Horta est à 7, Pedrola est à 7 aussi. C'est lequel qui joue attaquant? C'est Pedrola? Ouais, c'est plus un buteur, celui-ci, parce qu'il y a quand même 16 en dribble. 15 en vitesse, 13 en finition. Svensson à gauche et Pedrola, ça a l'air de... Je vais l'appeler Pedrolan, moi. Entre Rodriguez à droite, franchement, il est bon sur Rodriguez. Mais il commence à être en baisse. Coup franc de Rafia. Elle est dedans. Eh ben oui, elle est dedans. Enfin, Hamza Rafia. Enfin. 1-0. Et Florian Coman, il est quelle nationalité? C'est un Roumain, 32 sélections. Je ne connaissais pas, je ne sais pas si vous le connaissiez. Parce qu'on découvre des joueurs, mais des fois, j'achète aux notes, on va dire. J'espère que ça va débloquer l'équipe. On continue sur ce rythme. Et là, je pense, voilà, ça va débloquer l'équipe. Amani qui va changer d'aile, Valas. Et Stanis. Fadera. Elle va changer d'aile. Nolan va centrer. Je l'ai vu dedans encore. Je l'ai vu encore dedans. Atom a pris un petit carton. Corner, si bien tiré. Il n'y a que 1-0. On va refaire des changements. Parce que là... Rodriguez est complètement vanné. Il faudrait peut-être qu'il... Alors, Fadera, Pedrola, il peut jouer les deux côtés. On va inverser les deux. Svensson à gauche est complètement fatigué aussi. Lyson est là. Et Morelos remplacé. J'ai pas eu l'attaquant. Pedrola peut jouer attaquant. Et à droite, je vais mettre... Il peut pas jouer. Alors... Fadera joue là, Morelos ici, Horta peut jouer ici. Ça veut dire qu'il faut Sosa qui va aller là. C'est simple. C'est simple qu'on connaît les joueurs. Quand on connaît les joueurs, c'est simple. Trois changements, il reste... Non, j'en ai fait quatre. Je sais plus combien. Je crois que c'est trois joueurs qu'on peut changer. Si je me trompe... Au niveau de la liste de l'UEFA. Je pense. Allez, c'est... Ouh, le tacle. Ouh, il était juste. Horta, il va centrer. Il va centrer. Oh, le beau centre, c'est presque repoussé. Horta récupère. Sosa, il va frapper. Oh, elle est belle. Elle retombe bien. Elle est enveloppée, 2-0. On va un peu mieux, même si c'est Leven en face. On va vraiment un peu mieux. Alors, Pedrola, je vais juste voir. Ouais, c'est plus sur attaquant avancé.
On va mieux, mais voilà, corner, non. Ça joue un peu mieux. Dommage. Suffit que je dis ça, ils perdent la balle. Il faut faire le pressing. Je pense qu'on va rentrer dans les 2-3 premiers. Et ça va être serré jusqu'au bout. Sachant que je vous rappelle que les points seront divisés par 2. Rafia, il va encore changer. Ou le tacle. Et là, ça sent le rouge. Ça, vous le connaissez. Hey, Mendil. Ça sent le rouge. Eh oui, ça sent le rouge tout de suite. Carton rouge en face. On va donc passer à une phase un peu plus offensive. Rafia sort et De Potter rentre. C'est le dernier changement. Et par contre, Mendil, il me dit quelque chose par contre au niveau du... C'est un Marocain de 19 ans. Hein. Alors juste une petite info, il jouait pas chez nous avant ? Non, il jouait à Lille, voilà. Il me disait quelque chose. Le nom me disait quelque chose, alors. Ouais, ils auraient pu m'aider, hein. Il n'y a pas de supporter lillois ici. En tout cas, on est bien, même s'il y a 10. Et là, on est en moins XG, c'est intéressant. Voir combattant Coman est blessé. Ça, c'est l'autre chose. Donc ça sent le troisième, là. Horta qui est... J'ai l'impression qu'il est meilleur à gauche qu'au centre. De Potter, 3-0. Et De Potter, c'est ce jeune joueur qui est rentré. Troisième but pour ce jeune joueur formé au club. Et comme je disais, Horta, je crois, à gauche, il est vraiment meilleur. André Horta, il n'est pas sélectionné en Portugais. Il a 30 ans, il fait le boulot. Alors, nos attaquants n'ont pas marqué quand même. Toujours nos milieux qui ont marqué. Une équipe qui marque sans ses attaquants. Je trouve que... On verra ce que ça donne, mais ce Estanis et ce Fadera, j'ai bien fait de prendre les deux. S'ils pouvaient marquer, ça serait aussi bien. Qui va... La frappe 2, elle est contrée. Nolan qui frappe, elle est contrée. 4 minutes à jouer. On sent une tête quelque part. De qui ? Eh bien, de personne, si ce n'est d'un attaquant au-dessus. Et voilà, et Maziz aussi a pris un carton. Je me demande si Maziz ne jouait pas aussi au FC Metz. Pas se relâcher. Ne pas se relâcher. Thomas Henry qui marque. C'est pas Thierry Henry, c'est Thomas Henry. Youssef, ouais. Maziz qui joue au FC Metz avant. Sosa 8, De Potter 7, 3, Rafia 7, 7. Il ne faut pas perdre la balle, il ne faut pas. Et voilà, attention! Oula, il y a peut-être hors-jeu là. But refusé, bien sûr. On est fatigué, on a un peu de déconcentration. En tout cas, beau match. Beau match de notre équipe. On a géré, trop géré sur la fin peut-être, mais c'était un beau match. On passe. Quand même, on n'est que quatrième. On a 2 points de retard, on n'est que quatrième. Bon. Mercato est peut-être fini. Il y a des joueurs qu'on veut prêter. Si Campbell part, ça serait... Oui, Campbell, dommage. Il jouera quand même de temps en temps. 2 semaines, ça va. Par contre, les autres vont pas partir. J'ai des joueurs en prêt, mais je ne sais pas vu. Il reste 45 minutes. Ah, bah non. Dommage, j'aurais bien voulu qu'ils partent en prêt. Bon. Dommage, les deux-là n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Bon. Surprenant. Alors, il nous reste quoi à faire ? Alors, on va juste s'arrêter juste avant le match aller. On va rajouter le joueur dans l'effectif de l'Europa League Conférence. Et on s'arrêtera là. Je crois que c'est l'heure de l'apéro pour certains, du dîner pour d'autres. On a eu chaud.
On a eu vraiment chaud, on a transpiré, mais bon, tout s'est bien passé au niveau du mercato. Et on va juste faire un tour aussi au niveau des staffs. Alors, Australie Olympique gagne qui est le troisième, juste devant nous. Luzerne, pas d'autres. Bilbao, Wolf. L'OM est précaire, pourquoi pas? Ça fait. N'a pas une assez bonne réputation. Mais pourquoi pas? Alors, c'est quoi tous les. Nicolas part. Bah, mais bon, il part pour 75 000, c'était déjà ça. Récupérer record de dépenses, bah oui. Rejeté. Demande de prêt, c'est fini. Or, t'as 3,6 millions. À 4,5 millions, allez, 4,2 millions, je le prends, je pars. Ok. Millions, je le fais partir quand même parce que bon, tant pis, tant pis, ça me gênera pas. Alors, c'est qui? Ok, Tillman. Alors, on va présenter les deux trois joueurs. Et après, on verra si on peut les rajouter ou pas sur la liste. Comme milieu offensif gauche, bien sûr, c'est mon intention. Oui, il baisse. En même temps, on est en B. Rien de plus à faire. Tiens, des préparateurs autorisés, pourquoi pas? Un ou deux plus, allez, on va faire l'effectif. Bah, Servette de Genève. 13 millions 2. Ok. C'est pas ça que je sais faire mon équipe. Marquinhos. C'est pas le Marquinhos que vous connaissez. Allez, comme ça on termine l'équipe. Rasmussen n'a pu partir non plus. En tout cas. On va encore faire l'équipe là. En tout cas, merci d'être passé aujourd'hui. Merci de m'avoir également aidé pour certains. C'est qui lui? On se retrouve bientôt. Elle n'arrive pas, les équipes. Passez également un bon dernier multiplex ce soir. J'espère que votre équipe va bien réussir à faire des choses. Trossard, dommage qu'il a 32 ans. Je l'aurais bien pris. On a quand même fait un bon mercato. Parce que, histoire des transferts, on a quand même vendu pour 39, acheté pour 22. Au niveau financier, on est quand même à plus 16. Donc, plus 11 cette saison. Et au budget, voilà. Et normalement, voilà, on va passer comme ça. C'est beaucoup mieux. Budget salarial. On aurait pu également avoir un meilleur budget salarial si les prêts avaient été validés. Enfin, oh yeah. C'est quoi les règles? Ouf, tout ça n'a pas été enregistré. Donc, ouf. Alors, j'ai fait une bêtise, voilà. Répondre. Je suis trompé, c'est où? Alors, il y en a un non, c'est pas lui. On met que la valeur. Donc, Pedro, là, je le rajoute. N'y a pas tous, ils sont pas tous, ah oui, je me disais bien. Lui, j'ai pas de rajouté encore, lui non plus. T'as pas été rajouté l'autre? Par contre, il faut un gardien. J'en ai que deux des gardiens. On va rajouter Ecclesia, c'est ça qui est bien. Donc j'ai deux gardiens.
Et par contre, il pourra ajouter un troisième. Donc, il y a celui qui est là. Il y a Coman. On va plutôt faire l'inverse. Ceux qui ne sont... Voilà, c'est là. Il y a Faderak. On ne peut pas enlever certains. On va enlever deux potes. Non, deux potes, il faut que je laisse. Il est en... Alors, on va enlever juste... On va enlever Borges. Et je vais rajouter celui-ci. Je peux pas. Némonif. J'en ai tellement, je peux pas en rajouter 3. On va acheter Orm parce que c'est un deuxième gardien qu'il nous faut. On va ajouter niveau de la valeur. Pedrola, c'est sûr. On va rajouter. Et Fadera. Je peux pas faire mieux. Si on avait 20. Non. Je peux racheter les 3 là. J'espère que ça va aller parce que je peux pas en rajouter tous certains. J'espère qu'ils vont pas râler. Il y a 10 joueurs en plus qui n'ont pas été appelés. J'en ai rajouté 3 dans le gardien parce que je voulais être sûr que j'ai au moins un deuxième gardien. Bon, certains jeunes qui partent, ils vont pas râler. Les nouveaux, j'espère que ça va pas faire la guerre. On va voir ça tout de suite. Et après, on va vous laisser. Et voilà, comme on a attrape. Là, ça va être la Coupe de Belgique. Allez. Bon, Coman n'a rien dit, c'est ça qui est bien. Alors, Coman n'a rien dit. On est pas mal. On est pas mal parce que je ferai le point tout à l'heure par rapport à ça. Carboni, on va rajouter. En tout cas, il n'a rien dit. On passera peut-être la semaine prochaine ou dans 15 jours à la suite. Les matchs aller de la demi-finale à la Coupe de Belgique. Il restera également 5 matchs et on connaîtra. Alors, on connaît peut-être l'adversaire déjà. Voilà. Ça sera l'un de nos prochains adversaires. Le gagnant d'un des 8 matchs. Donc, ça peut être pas mal. Attention à Trabzonspor en Turquie. Ou pourquoi mon club d'avant, Podbrezova. Arucha, club portugais. Dinamo Zagreb, faudra se méfier. Et Slavia Prague, le reste, ça peut aller. En tout cas, merci m'avoir suivi. Je vous souhaite un bon appétit, un bon apéro. Je vais essayer de vous envoyer quelque part. En tout cas, si vous ne travaillez pas demain, bon courage à vous pour la reprise mardi. Sinon, bon courage pour certains au niveau de la nuit. Alors, je voulais lancer un raid sur une chaîne. Ça a un peu changé certaines choses, en tout cas. Voilà, je vais essayer quelque chose. En tout cas, portez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao.